Amis du jour, bonjour. Alors là, on est à Val-Revermont, la commune de Tréfort. Je continue ma remise en forme après mon opération. Et là, donc voilà, je suis monté en haut de la crête de la Cabatane qui se trouve là, qui va par là-bas. Donc aujourd'hui, comme voilà, j'ai pas filmé la montée, je vais juste vous filmer la descente. Je vais prendre la descente de la Cabatane, j'ai enchaîné sur le sentier des forestiers. Pour finir après sur le single toboggan, je sais pas comment il s'appelle, je connais pas son nom. Et voilà, ça risque d'être sympathique, je vais pas aller trop vite, hein, comme toujours. Je vais faire ce que je peux, et au moins la vidéo sera courte. Voilà, j'ai baissé la selle, je descends les rapports, j'ai mis en route la caméra, et commence la descente de la Cabatane, commune de Val-Revermont. C'est parti, j'y vais cool, hein, tranquille. J'ai plus trop confiance, hein. C'est dingue, comment faire vite. Faut se remettre. Oula. Putain, c'est chaud quand même. Voilà. On va prendre le risque et passer hors des ornières. Alors hop. Oh là, j'ai pas confiance du tout. Ah, j'ai un tronc d'arbre en plein milieu là. C'est chaud. Hop. Je suis sur les freins, hein, putain. Incroyable. Hop là. Ah, déraille pas, s'il te plaît, Nakamura. Il a glissé de la pédale. Youhou. Super. Bon, bah, j'étais pas en confiance du tout, hein. J'ai mis une demi-heure à monter là-haut. On met moins d'une minute à descendre. C'est la misère. Allez. On enchaîne la trace des forestiers. C'est plus cool ça. J'ai eu peur que la caméra n'était pas en route. Le problème, c'est que là, il va y avoir une petite partie montante. Et comme j'ai blessé la selle, puis j'ai la flemme de la remonter, on va te faire travailler un peu les cuisses. Voilà, théoriquement, ça va plus beaucoup monter. Ça va même descendre. Ah, j'ai failli dérailler. C'est quoi ça? La bouillasse. La glaise. Oh là. Faut se méfier là. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de descente. Hein. Comme ça, plus de 4 mois, ça fait du bien. Ah, c'est des bonnes sensations. Par contre, je suis pas en confiance. Hein. Ah. Allez, sentier des forestiers, c'est terminé. On va enchaîner sur le toboggan. Là, c'est pareil. Une petite partie montante. Pas bien violent. Mais après c'est cool. Donc là je récupère. Parce que monter
Même 5 mètres, hop là. Avec la selle en bas, c'est pas gégène. C'est parti, on s'amuse bien. Tranquille. On est prêt, on les entend. C'est bougant. Hein. J'adore ce passage, enfin, cet endroit là, single. Mais chaque fois, je l'ai pas en tête. Je prends pas très souvent. Oh my God. Il y a des crevards. Oh, je suis pas en confiance, dis donc. Je suis pas du bon côté, on y va quand même. Allez. La petite bosse là. On arrive avec trop de lance, parce qu'il sort trop d'armes. Oh. Oups là. Yeah. Oh. Bon, je vais monter un peu la selle là. Bon. Oh. Ouais, je prends encore un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ce passage. Et je me l'imaginais plus long que ça en fait. C'est con. Parce que c'est cool. C'est trop court quand c'est bon. Ah c'est vrai, il se relance, c'est fini celui-là. Allez. Ah là, ma fourche qui claque. Elle est toute pétée. Large. Oser mettre un peu d'appui. Alors comme sur le tuto VTT plaisir que j'ai vu hier, virage à gauche, appui pédale de droite et inversement. Hop. On baisse le centre de gravité avec le jump. Youhou. Oh putain, j'ai fait tout droit. Et ben voilà, ça tombe bien. On a quasiment fini. Ah. L'autre fois, je faisais sur la vidéo précédente, j'ai fait des petits clins d'œil à des chaînes de YouTube que je connaissais, que je voyais tout le temps. Évidemment, Captain Buget, Enduro, VTT by Lulu, VTT Plaisir, VTT Attitude. Et j'avais oublié Beam Me Up, Emmerich. Eh ben, je te dédicace cette vidéo pour m'excuser de t'avoir oublié. La dernière, puis il y en a plein, Enduroflamme. Et je vais encore en oublier. Et je vais me faire engueuler. Quand même pas, parce que vu que c'est la fin de la vidéo, personne n'arrive jusque-là en général. Allez, maintenant c'est plus que du sentier comme ça, jusqu'à la bagnole. Donc un peu moins d'intérêt pour vous. Alors mes amis, faites du vélo, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir regardé cette modeste vidéo. Amis du jour, salutations.